Le soir Tard Show. Le soir Tard Show. Dès 19h avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs. Le soir Tard Show sur TSO Radio. Ça fait un petit moment que je vous ai pas mis ça. Avec Bébert, Oscar, Vince, Stéphane, Romain, Laura, Hélène et Kevin. C'est pour la deuxième heure, ça. Exactement, exactement. C'est pour qu'on reste. Ouais, je tiens parce que voici jusqu'au bout de la semaine. Vous êtes sur TSO Radio. Il est. L'heure qu'il est, et puis l'horloge marche plus, tu sais. On va jouer à l'appel débile avec Stéphane. Alors Stéphane, c'est vrai qu'on a... souvent je te sollicite pour faire des choses parce que comme souvent tu me dis non, eh ben souvent je te sollicite. Voilà. C'était une phrase très française. On va appeler des hôtels. Donc comme d'habitude, on n'a pas fait avec mon ami préparateur d'émission juste à côté de moi. Nous avons été chercher des hôtels dans 62 chez les Peuples. J'espère que personne ne dit 62. Non. C'est du 62 ? Ah, pardon, j'ai rien dit. Alors, je dis... Donc, sur ces belles paroles, on va appeler les Frangins, un hôtel du 6-2 qui s'appelle les Frangins. Stéphane, la règle est simple. À chaque fois que le gong retentit, Attends, faut que je trouve le gong. À chaque fois que le gong retentit, tu vas devoir changer d'humeur. Est-ce que tu peux nous dire sur ta feuille les humeurs que tu vas devoir prendre ? Dans l'ordre que tu veux, hein. parce que tu ne l'as pas la feuille. Ah, voilà. Mais je vais te la donner dans un très très court instant. Donc c'est appel débile. Je peux pas les choisir mauvais, mon fils. Mais non, il y a un ordre. Tu veux ? Franchement, ça va rien changer. Ouais, donc au gong, tu changes d'humeur. On est bien, ouais. On est bien d'accord. Ça sera ça le gong. Donc c'est un gong de PD. Voilà. Ok, et ben c'est parti, Nivek, c'est quand tu veux. D'accord. Tu sonnes, ou tu me dis, et tu me dis que je suis belle. Téléphone, et tu n'attendais que moi. Et tu me dis que je... C'est incroyable, qu'est-ce qu'on peut être con pour combler, hein. Carrément. Ça sonne ? Si ça sonne pas, c'est qu'il a pas payé sa note. Ça sonne pas. Alors, on est à l'hôtel. Ça sonne. Ah, ça sonne. Attention, hôtel les artistes. Franges. Hôtel des Frangins, bonjour. Oui. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour savoir si vous avez une chambre, s'il vous plaît. Pour quand ? C'est pour le week-end prochain. Vendredi ou samedi ? C'est parce qu'en fait, ma femme m'a quitté. Oui. Est-ce que vous avez une piscine ? Hein ? Monsieur, s'il vous plaît. Vous avez... Allô ? Allô ? C'est quoi ? Allô ? Allô, je vous entends plus. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, monsieur ? Eh, wallo, là. Allô ? Tu réponds quoi, là ? Bon, et je crois que... Bon bah merci monsieur, à bientôt, hein. Je crois qu'il allait poser le téléphone en fait. On va rappeler, est-ce que t'as un hôtel genre Ibis, un truc comme ça là sur ta feuille? C'est... Je sais pas pourquoi... Par contre quand tu t'énerves c'est... Allô. Non. Est-ce que vous avez une piscine? Il a pété un câble sur la piscine le gars. Au début je voulais faire le mec triste puis après j'ai énervé. Ah c'était le mec... Ah pardon. T'es triste, ma femme m'a quitté. Ah ouais, oui, non mais oui, j'avais pas envie. Moi j'écoute pas les paroles, c'est comme les chansons, je les danse. T'es bien parti là. Ah merde. Non bah sinon tu as fait... Neptune, c'est une chaîne Neptune. Tu peux appeler Neptune. Normalement ils répondent. Et normalement ils ont pas le droit de raccrocher je crois. Il y a des... Ouais, c'est et les pour hôtels... ça qu'il a posé le truc. Ouais, bon, ouais mais là c'est un hôtel genre de quartier. Et, c'est bon ouais. Ah oui c'est bon, tu peux y aller. Et que les chaînes n'ont pas le droit de raccrocher. Donc les pauvres des moments... Ça va durer longtemps. Mais monsieur, vous voulez une chambre pour quand bordel? Parce que les pauvres ils... J'aime bien le truc du téléphone. Tu me dis quand t'es chaud. T'es prêt? C'est bon? J'en fais la même. Ah. C'est bon. Allez, c'est... Ah, bah du coup, forcément, on a plus le tuit. Régional Neptunberg, bonjour. Oui, bonjour, madame. J'appelle pour savoir si vous avez une chambre, s'il vous plaît. Oui, pour quand? Ça, pour le week-end prochain. Vous voulez venir quand? Repartir quand? Samedi 29? Bah, c'est qu'en fait, je vous explique, ma femme m'a trompé. Et... Bah, je dois partir de chez moi. Bah, ouais. Et du coup, bah, il me faut une chambre, quoi. Ouais, bah ouais. Donc, est-ce que vous avez une piscine déjà dans la chambre? Non, on n'a pas de piscine, monsieur.
Il n'y a pas de piscine. Est-ce que vous avez au moins Netflix sur la télé? Comment? Netflix. Une? Netflix sur la télé. Non plus, monsieur. Bah, expliquez-moi ce que vous avez quand même. Alors, je vais regarder si j'ai de la place. Bah, allez-y. Voilà. Alors, pour le samedi 29, c'est bien ça? Ouais, écoutez, je sais plus, j'en ai... Comment? Je sais plus, j'en ai, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser voir, monsieur, hein? Parce que j'ai du monde devant moi, hein. Mais non, mais je voudrais vraiment une chambre, madame. Je suis désolé, mais... Donc, c'est pour le samedi 29, c'est pour une nuit. Oui. J'ai une chambre confort avec douche à 90 euros la nuit. Ah, ça fait un peu cher pour un mec célibataire. C'est ce qu'il me reste, monsieur. Écoutez, j'ai 65 ans. Oui, vous êtes dans un établissement qui vend ses chambres à 90 euros la nuit pour le samedi 29. Et vous avez pas moins cher? Je n'ai pas moins cher, monsieur. Pour 16 euros? Je n'ai pas moins cher et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Eh ben, non, attendez. Oh, 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 ben, ils ont pas le droit de raccrocher, oh, donc, ouais. Oh, c'est bien, ouais, c'est... Alors, c'est pas mal, celle-là, c'était pas mal. Neptune, fais voir un peu les trucs, parce que... Les trucs, parce que le... Parce qu'il y en a qui doivent filer. Ta femme t'a trompé, là. Non. 16 euros une chambre à 16 euros, si ça. 16 euros la chambre. Avec la piscine dans la chambre. Et je voulais demander à un jacuzzi en plus. On leur fait un petit dernier. Mais demande s'il y a YouPorn, ouais. Netflix, c'est ouais. Plus drôle. Et puis par contre, là, à un moment donné, je vais faire un ding. Tu peux mettre le numéro. Hein. Et quand t'es pour t'énerver, fais-le, mais en mode. Là, il reste plus 3 minutes, faut vénère quoi. On veut te voir sortir de ton retranchement. Pardon. Oui. Ah, ça dépend quel retranchement aussi, hein. Mais je rappelle, nous appelons des hôtels et nous devons réserver une chambre en changeant d'humeur à chaque gong. C'est parti, Stéphane, l'hôtel Red Fox. Hôtel Red Fox, tout qui est. Bonjour. Bonjour. Je voudrais louer une chambre pour ce week-end, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Je voudrais louer une chambre pour ce week-end. Alors, j'ai une chambre encore disponible pour demain soir. Non, pour ce week-end. Oui. Bah, j'ai une chambre de disponible, donc... Enfin, le week-end prochain. Pardon? Le week-end prochain. Parce que là encore, je suis encore avec ma femme ce week-end, donc la semaine prochaine, elle va me tromper, je le sais. Donc le week-end prochain, il me faut une chambre. Oh! Oh, bah, oh, le mec! Alors, putain, aucun mais... esprit. Et lui, le mec, il n'a aucune compassion pour toi. Là, je suis. Il raccroche comme ça, tu lui. Il en a rien chier, à branler. Hein, oh. Il raccroche. Imagine le mec, il se retrouve à la rue, il demande un hôtel. Ah ouais? Bon, t'avais une chambre. Bon, c'est vrai qu'il était con au début. Hein. Je vois une chambre pour ce week-end, j'en ai une pour demain. Bon, il commence pas aussi, lui. Hein. Quand il a pas envie de comprendre, il a pas envie de comprendre. En même temps, Axel. Ah bah. Content, nickel jour aussi. Ah pas. Oui! Mais laissez-moi, je suis dans mon personnage! Mais voilà! Mais oui, je suis con! Pour ça qu'il dit, mais le week-end prochain! Bah oui, non! Excusez-moi, j'étais dans le personnage. Mais non, je suis Ken. J'étais lundi, moi, bordel! Pour demain, mais non, c'est je suis Ken. C'est pour ça qu'il a dû se dire aussi, les gars, mais ils sont de ma gueule ou quoi, lui, à un moment donné? Bon! On se dit qu'il a pas mal joué, ça va. Bon, ouais, l'énervement, ça manque un peu de... J'aimerais bien le faire avec toi, ouais. Bon, pas aujourd'hui, mais l'énervement, hein. Bon, on va se pousser à ce moment-là. On va... Enfin, quand je dis avec toi, avec Hélène, c'est vrai que c'est de la radio, faut dire à qui je parle. Qu'est-ce qu'on va se faire après la pause? On va se faire un ni oui ni non, ni le même. Donc, il y aura une personne qui va jouer et toutes les autres vont tenter de lui faire dire... c'est raccroché là-bas? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous écoute au téléphone. Allô, bonjour. Vous êtes encore là? Vous êtes encore là, espèce d'enfoiré. Vous avez une piscine. Dans la chambre. Non, il n'y a pas de piscine. Vous avez Netflix? Non. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient rien au début. YouPorn? Rien. Ah, YouPorn, on n'a pas eu le temps de demander, je crois. Elle aurait peut-être dit oui. Alors, ouais. Oui, bien sûr, vous avez YouPorn sur votre téléphone, monsieur. Donc, le ni oui ni non, ni le même, on voit ça tout de suite après sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.